YouTube, ça y est, elle est là, la nouvelle mise à jour de Phasmophobia, la mise à jour Tempest 0.8. Le chat est tellement chaud, le beat est tellement froid, et moi je suis tellement chaud aussi. On va découvrir ça ensemble. Comme tu peux le voir, le lobby a un tout petit peu changé. Il y a une petite musique, allez, je te fais plaisir, je te mets la musique. Très sympathique, on a des bonhommes de neige qui nous suivent, évidemment, avec leur tête, c'est magnifique. Il n'y a pas de neige, mais il y a de la neige dehors. Si jamais tu ne sais pas tout ce que le patch note a changé, je te le mettrai en haut à droite. Dans les fiches, nous, ce qu'on va faire, mesdames et messieurs, c'est qu'on va partir sur la Tanglewood. On va essayer de débloquer la première map, la Tanglewood, évidemment, avec le trophée de Noël. Apparemment, il faudrait donner des cookies à un certain fantôme, obligé d'être en intermédiaire. C'est pour ça que je le suis. Bref, on découvre ça ensemble. Installe-toi, n'hésite pas, évidemment, à claquer ta Oli, à venir nous voir sur Twitch. T'as tous les liens en description. Let's go, baby. La petite musique. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête quand même. Ouais, la musique, faudra l'arrêter. Nouveau camion, c'est beau ça. Attendez, c'est moi où le jeu est méga plus clair. Ça vous le fait pas, vous aussi? Pourtant, j'ai pas changé ma luminosité, j'ai rien changé. Je trouve que le jeu est super clair. Oh! Merci à tous. On a... Ok, on a une assiette. C'est peut-être là qu'on met les cookies. Anthony Brock. Alors, il y a des nouveaux fantômes. On va voir aussi si on va tomber sur un nouveau fantôme. D'habitude, je joue en 1-5, mais là, il est tellement clair. On va jouer en 1-2. Alors, est-ce qu'il y a un nouveau temps? En tout cas, le jeu lag de ouf depuis cette mise à jour. Ok, il n'y a pas de nouveau temps. En tout cas, on n'a pas la pluie, on n'a pas machin. Il y a des petits bugs graphiques. Regarde la lampe, là. Regarde. Je sais pas comment ils font pour ajouter des bugs graphiques. Alors, tac, tac, et on a électricité dans le garage. Oula! J'allume la lumière, ça lag du cul. Merci à tous. Non mais attendez, c'est... Merci beaucoup, Maeps, pour ton deuxième mois. Merci, ça fait énormément plaisir. Non mais attendez, ils ont changé la gestion de la lumière, là. C'est pas possible, ça lag, c'est dégueulasse. Oh! Ah, attends, le cookie, ça veut dire que là, il est dans l'assiette? J'ai retiré le flou lumineux, ça bug plus. Non mais attends, le flou lumineux, moi je l'ai pas, je crois. Hein. Désolé, YouTube. Hein. Regarde, je suis off. J'ai tout off. Regarde, off. Ça, j'enlève ça. Vas-y, j'enlève tout. Je sais pas, j'ai tout enlevé, je sais pas ce que ça fait. Écoutez, on verra bien. Alors, le cookie. Oh, petit cookie! Sympa. Ben oui, ils ont changé un truc au niveau de la lumière. Je trouve que le jeu est plus blanc, plus lumineux que d'habitude. Mode performance, non mais attends, j'ai 32 Go de RAM, j'ai une carte graphique du feu de Dieu. Je vais pas... La lumière, elle est plus blanche que d'habitude. Elle était plus juste... Ouais, je sais pas. C'est bizarre, je pense qu'il y aura un fixe dans pas longtemps. Ou alors c'est... Mais même, regardez les reflets de la lumière sur les murs, ça a changé, non? Je sais pas. Écoutez, c'est peut-être moi. Alors, faut qu'on trouve des cookies. On n'a pas le tarot. On voit mieux? Ah, il est là. Je trouve pas qu'on voit forcément mieux. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Un cookie. Ok, ça fait 2. Il en faut en trouver 6, je crois. Hein. Ah, sur le vase. Ça fait 3. Les effets de lumière sont différents. 4. Ouais. Ok, on met le courant. Pour l'instant, tout va bien. On n'a pas la plante ici. On est à 4, je crois. Il doit en avoir un à la cave. Les reflets ont été modifiés, ouais. C'est ça qui doit faire ramer. De toute façon, ce qui fait ramer, généralement, c'est la lumière. Hein. C'est chaud à gérer, la lumière. On a le cercle. Ok, le cercle. Est-ce qu'on a un petit cookie à la cave? Yes. 5. Donnez-nous un signe. Est-ce qu'il reconnaît mon micro maintenant qu'on a lancé le jeu? Ah, ok, il reconnaît mon micro. Ma magnifique voix. Alors. J'ai pas encore trouvé l'os, je crois. Est-ce qu'on a du cookie? Ah, j'ai entendu une porte. Mais même, regardez les reflets. Non, mais il va se calmer? Tu vas te calmer, toi? Je trouve ça bizarre. Ouais, les reflets sont vraiment bizarres.
Merci beaucoup, Flycode, pour ton Prime. Bienvenue dans la commu, bienvenue chez les gueux. Alors attends. C'est un cookie que je cherche, moi. Dans la chambre du gamin, à côté du verre, il y a un cookie. Non? Ok. Ouh, j'entends que les modérateurs ont du travail. Alors. Bon, attends. Je vais aller voir cette porte parce qu'il a l'air de bien s'exciter sur la porte de la cave. Hop, je vais aller voir les empreintes. Au pire, on cherchera le dernier cookie après. Comment tu vas, Flycode? Tu vas bien? La lumière à la cave est plus forte? Ah, je sais pas. Je sais pas. On n'a pas de MF5. Combien j'ai de cookies? 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, il m'en manque un. Il m'en manque un. Que se passe-t-il? Bah, il y a une mise à jour Fastmo et les gens ne savent pas se taire. Donc forcément, ils se prennent des bastos. Passe direct à 10 minutes et puis après tu passes à 1h24h. Les gens comprennent pas. Alors. Ok, on a empreinte. Alors, il est où cet énergumène? En plus, il y a un YouTube, toi tu le vois pas, mais il y a un gros message épinglé, pas de spoil, hein. Pas de spoil, pas de backseat, rien du tout. Mais écoute, les gens comprennent pas. Ils sont, je sais pas. Il y a un problème neuronal, je pense. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Là, ok. Je voulais tester la spirit. Mais il est cave ou pas? Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Attends, mais même la Ouija a changé. La spirit? La spirit, mesdames et messieurs, elle était pas aussi orange que ça avant. De fou. Alors attends, il me manque un cookie. Il me manque un cookie. Qu'est-ce qu'on a d'ailleurs? Polter, fantôme, mimique. Ok, tout va bien. Pas des fantômes vraiment très très dangereux. Il me manque un cookie. Ok, il doit pas être ici. Baisser la luminosité, je l'ai fait. Le cookie ici, je l'ai déjà pris. Peut-être que je l'ai oublié sur un meuble. On va faire, tu sais quoi, on va faire un petit tas. On va faire un tas, comme ça si c'est un polter, bah on le verra. Hop. Polter, y'a rien de nouveau. Ah ouais, t'aimes bien jeter des trucs, hein. T'aimes bien jeter des trucs. Je vais aller voir s'il y a une orbe, parce que si c'est un petit mimique, ce serait pas le coup qu'il nous fasse se prenne pour un petit démon, là. La brouette, comment tu vas, la brouette? Merci beaucoup pour ton follow, grand plaisir. Déjà, on n'a pas de MF5. On va regarder les orbes vite fait et les dots, tiens. Le bruit quand ça snipe, ouais, il est pas mal. Hein. Dès que t'entends un petit cri YouTube, c'est que ça snipe. Ouais, la spirit est carrément plus orange qu'avant. Hein. Carrément. Alors, a priori, pas de mémec. Ce qui est bon signe. Ça a l'air d'être un fantôme, hein, ou un polter qui fait pas son taf. Alors, il me manque un cookie. Il me manque un cookie. J'ai pas trouvé de cookie dans le garage, donc il doit être... Ah bah voilà, il est là. Ok, il n'y a pas de signal sonore. Très bien. Ça fait 2 mois que je regarde tes vidéos sur YouTube et tu animes mes soirées, je me lance sur Twitch. Eh, ça fait plaisir, merci beaucoup la brouette. Alors attendez, chat. Est-ce qu'il y a moyen que je change ici la méthode d'activation? Où est-ce qu'on met le texte? Est-ce que c'est avant de rentrer dans une game? Pour ceux qui ont des problèmes de quand t'as ça. Là. Texte. Ah, attends. Vas-y, comment ça marche? J'ai envie de tester. Vu qu'on a la spirit, j'ai envie de tester. Oh putain, mais c'est trop bien! Oh, on vient de voir les dots. Attendez, ça veut dire que dès que je l'allume. Oh, c'est trop bien! Êtes-vous amical? Attaque. Tu peux bouger la lampe un petit peu. Oh, c'est stylé! Et quand tu éteins la spirit, par contre, tu peux pas bouger. Donc, t'es obligé de l'éteindre. Oh, mais c'est trop bien. Ça veut dire que les gens sans micro et tout peuvent jouer peinard maintenant. Là, il n'y a pas de réponse. Quel âge avez-vous? Donc là, il a dû se barrer. Oh, c'est super. Ah, c'est super. Ah, c'est super. Franchement,
Tous ceux qui ont des problèmes de son de Ouija. Ah, c'est incroyable. Ok. Ah, et je peux encore parler comme ça? Attends, où êtes-vous? Attends, est-ce que ça marche encore pour... je pense pas, hein, pour le titiller. Eh ben écoute, c'est super, j'adore, c'est génial. Génial, c'est un truc qu'ils auraient dû rajouter depuis très longtemps. En tout cas, ça fait grand plaisir qu'ils l'aient enfin rajouté. Ouais, c'est propre. Alors, il y en a... Attendez, j'ai pas testé la molette, excusez-moi. Il y avait que 3 questions, mais attends, si j'utilise la molette, est-ce que je peux avoir d'autres questions? Ah, la molette, non, la molette, ça change d'objet. Donc, ok. Donc, t'as que 3 questions. Tu peux pas choisir les questions, malheureusement. Ok. Je vais faire un dernier test, tiens. Ok, il est là, si je la jette. Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Ok, donc là, ça reconnaît plus. Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Ok, donc tu peux pas avoir les deux en même temps, c'est soit l'un soit l'autre. Ok. Quand tu vas, Evan? Eh, c'est trop bien, franchement je trouve ça trop trop bien, chat. Vraiment vraiment bien. Mais ouais, y a pas de wesh t'es où, c'est dommage. Alors, les cookies, mesdames et messieurs. Les cookies. On a les 6 cookies juste là. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qu'est-ce que je fais avec? Ah, je peux les prendre. Y a pas de bruit. D'accord, c'est des cookies silencieux. Très bien. On sait que c'est un fantôme. Alors attends. Est-ce qu'on a un récapitulatif de ce qu'on doit faire? Ils ont dit qu'il fallait les donner aux fantômes. Hein. Alors, les cookies mous. Vous êtes cookies mous ou cookies durs, chat? Ah, moi j'adore les cookies mous. Hein. Les gros, bons gros cookies mous là. Pas ceux que tu casses bien dur. Ceux qui sont bien mous là avec des chocolats fondants. Ah ouais, j'adore. Ah ouais, cookie mou là, Mélodie, cookie mou. YouTube, tu me diras. Ah, attends, est-ce que ça marcherait pas comme un cruci, tiens? D'ailleurs, on va tester le cruci en parlant de cruci. Vas-y, je te les mets sur la table, c'est RP. Je vais aller chercher un encens. Hop, putain, j'adore. Cookie mou, non mais bien sûr. Petit sondage de la modération, bien sûr. Cookie mou ou cookie dur? C'est important. Moi, je préchote un petit 70% de cookie mou là. Bien fondant là. Brau. Wouah. C'était quoi ça? Attends. Il a bouffé les cookies? Attends. Attends, il a bouffé les cook. Il y a de la neige? Il y avait de la neige tout à l'heure? Attends, il y a de la neige. Oh, la neige, elle est trop bien faite. Ouvrez votre bouche, tirez votre langue, mesdames et messieurs. Oh, putain. Ok. Elle est super bien faite, je la trouve vachement mieux faite qu'avant, quoi. Super bien. Ah, attends, il a bouffé les cook. Donc en fait, il suffit juste de les mettre dans sa salle pour qu'il bouffe les cookies. Ok. On va le faire chasser. Il a coupé le courant. Fais voir. Oh, il a bouffé les cookies. Oui, calme-toi. Qu'est-ce qu'il y a? T'as encore faim? Oh, ça... Hey, 6 cookies, mec. 6 cookies, c'est pas mal, hein. C'est un fantôme, on est d'accord. Ok. Détecteur et la chasse. Ok, je vais chercher un détecteur. Ils ont changé l'animation de l'encens aussi. On va regarder ça. Alors... Cookie mou ou cookie dur? Le sondage YouTube, si ça t'intéresse, 77% pour l'instant de cookie mou. Alors, faut qu'on teste le cruci aussi. On va mettre d'abord le capteur. J'ai envie de voir ce que ça fait la game parfaite. J'ai envie de voir la game parfaite à quel point c'est cheaté. Vu que normalement, c'est censé multiplier les récompenses par je sais pas combien. Ah bah. Ouais, attends. On a les empreintes, on va pouvoir se faire des... on va pouvoir se faire des couillots sil goldo, là. On va prendre des pilules, histoire de tester aussi la nouvelle animation des pilules. T'as tellement de trucs à tester. Alors, pilules, je suis à combien? 56. Alors, je vois pas ce qu'a changé. Ok, bah écoute, ils avaient dit un truc par rapport aux pilules, mais je vois pas trop ce qu'a changé. On va tester le cruci.
Oh là, j'ai hâte de voir ça. Donc maintenant, le cruci, tu peux soit le jeter, soit le poser, c'est ça? Attendez, on va voir. J'ai vu, t'as vu? J'ai vu. C'est pas mes vues. Oh, c'est trop bien. Donc là, si je le... Oh, et en plus, tu le vois en 3D, c'est pas... Enfin, tu le vois en 3D, pas en 2D. Alors, attends. Ah ouais, putain, c'est top. Tu vois sur les murs, regarde. Tu vois le reflet sur les murs, tu vois les 3 mètres. Regarde. Ah, c'est vraiment top. Et tu peux pas, évidemment, le mettre au mur. Putain, c'est bien. Pour les débutants, c'est vraiment bien. Et en plus, ça gêne pas vraiment. Tac. Et donc là, par rapport à l'autre, tu sais qu'il faut le mettre par là, tu vois. Donc moi, j'ai celui-là qui va jusqu'au dots. Et j'ai celui-là qui va... En vrai, je pourrais même plus les éloigner que ça. Ah, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment, vraiment pas mal. Faudrait voir contre un démon ce que ça donne. C'est vraiment sympa. Moi, je trouve que c'est un très bon ajout. Dès que tu as pris les pilules, le skin l'a jeté. Ah, ok. Ok. Alors, attends. Ça, c'est validé. Il faut... Ok, il faut qu'on fasse... faut qu'on remplisse le bouquin à fond. Ah, j'aime bien. C'est joli avec la neige quand même, hein. C'est vraiment joli. Alors, il faut... Mesdames... Ben dis donc, il aime bien nous mettre les dots. Attendez, ils ont pas changé la caméra aussi? J'ai l'impression qu'il y a un côté, l'image grésille et tout maintenant. Ils ont changé un peu le grain de la caméra. Ce qui est pas mal, ça rajoute un petit côté RP, je trouve. Et la neige est vachement plus jolie, regarde à la caméra dehors. Tiens, on va regarder à la caméra. On va prendre un appareil photo. Regarde. Ah ouais, c'est vachement plus joli. Ah ouais, j'aime bien, moi. Il y a beaucoup plus l'esprit de Noël, tu vois. Regarde. Ah, j'aime bien. Franchement, très très propre. J'ai hâte de voir la tempête de... Il y a un petit côté VHS sur la caméra, j'aime beaucoup. Alors, on va essayer de remplir le bouquin. De toute façon, il peut pas attaquer tout de suite. Non, celui-là, il y a plus de... Ok. L'os, est-ce que j'ai l'os? Il faut ramasser l'os, chat. J'ai pas l'os. Ok. Faut qu'on trouve l'os. Est-ce que vous l'avez vu ça? Vous avez le droit de me backseat l'os. Caméra des années 50? Non, abuse pas. Wow, putain, les dots. Alors, je me risquerai pas à essayer de prendre les dots en photo parce que si je loupe la... Merci à tous. La... Comment t'appelles ça douté. La photo, on est dans le caca. Agent, merci beaucoup. Attends, il a touché la porte. Merci beaucoup, agent. Merci énormément pour ce petit raid. Là, deux photos d'interaction. Photo d'empreinte. Il faut que je prenne encore l'os. Ok, j'ai encore une photo à faire. On n'est pas obligé d'avoir la photo du fantôme, je crois. Merci beaucoup pour le raid. Bienvenue à vous. Ça fait grand plaisir. Comment tu vas, agent? Salut Charlie. Salut Slim. Installez-vous. Merci beaucoup pour vos follow. Merci GTA 5. Merci Wesh pour le 13e mois. On est à la recherche de l'os perdu. On teste la nouvelle mise à jour. Et pour l'instant, on kiffe. On kiffe la life. Mais on cherche l'os quand même. L'os dans le salon, tu l'as vu? Quand tu vas masser, yo. Salut Béanet. Nope. Dessous la table. Il vient de toucher un carreau. J'ai entendu un carreau. Là, juste là. Boum. Il nous reste plus que la photo de l'os et on a... Attends, j'ai cru voir la glaciale. C'était quoi? C'était les dots? What? C'est quoi? Attends, il se passe quoi là? Le fantôme a pas la glaciale, c'est quoi ce bordel? Regardez! Wow! Ça peut pas être un Mimi qui a les dots! J'ai la glaciale, mais what? C'est la neige qui fait ça? Attends. On vient de voir les dots, le Mimi qui a pas les dots. Charlotte, t'as tout cassé! Tu nous arrêtes, t'as tout cassé, ça y est, t'as foutu la merde. Attends, on va trouver l'os. Calmez-vous. On va aller chercher le thermo. C'est quoi ce délire?
Je peux pas te spoil. Bah, spoile pas. Merci à tous. Quand tu vas, Yumi, merci énormément. Attendez, c'est pas un bug. Je pense pas que ce soit un bug. Il doit avoir une connerie avec les cookies et Noël. Attends, tac. Attendez. Je trouve que le jeu, au niveau des couleurs, il a changé. J'ai un... Ah, j'ai une sorte de glacier. What? C'est quoi ça? Le Père Noël! Alors, attends. Donc ça, c'est parce qu'on lui a donné les cookies, du coup, il s'est transformé en Père Noël. Mais c'est pour ça qu'on a la glaciale. Donc la glaciale, c'est plus une preuve, en fait. C'est pour te mind game. C'est quoi ce délire? Mais je sais, je cherche l'os, bordel. Attends. On va le trouver. En fait, faut juste le prendre, on a même pas besoin de la photo, on a juste à le prendre. Excellent. Attends, je vais lui claquer l'encens à la gueule, j'ai un briquet. Ok. Il est où? Faut faire gaffe, c'est un fantôme. Ah non. Ah oui, c'est vrai qu'on est en intermédiaire, ça va vite. Vous vous rendez compte qu'on était à 90% de santé mentale? Sous le bureau. Non. Sur le bureau non plus. Ouais, c'est un... Non mais chat, je pense qu'on va, on va finir la game et puis on verra. On a perdu l'os. Non mais c'est incroyable. On est en intermédiaire parce que pour faire le défi, il faut être en intermédiaire. Non, mais là, ça va pas, c'est pas possible. Il y a embrouille. Ah, est-ce qu'il m'a bouffé le cruci, tiens? Oh, j'ai pas l'appareil photo. Enculé! Putain! De toute façon, bah ouais, voilà. Bon, bah, des bisous. Oh là là. Excusez-moi. Bon, bah, on n'aura pas la game parfaite, tout ça pour ça. Quel enfoiré! Allez, on va claquer l'encens. Oh là là, mais quel enfoiré! Ça devrait être illégal qu'ils vont mettre l'interaction des étoiles, quoi. Allez, attaque. Ok, il a bouffé le cruci. Oh, j'aurais pu juste prendre le cruci en photo, en vrai. Ok, on va enlever le cruci. Oh, je suis deg. YouTube, je suis deg. On n'a pas l'os, on n'a rien. Bon bah écoutez, on verra pas la game parfaite tout de suite. On en fera une après. Alors j'aimerais bien voir le Père Noël par contre. Tapis, salon, côté télé. Non? Non, non, mais il a bugué, hein. Cherche pas. Ok, let's go baby. Let's go, calmez-vous. Oh, je l'ai jeté! Je me suis gouré de boutons! J'étais en train de faire des imprimés écran pour YouTube. En fait. Bon, c'est pas grave. Oh putain, quel con! Merci à tous! Je me dis, mais attends, mais je me. Laisse tomber. C'est pas grave. On verra ce qui se passe. Alors attends. Ah, mais du coup, on a trouvé le fantôme. Oh, c'est 5$ maintenant! Attends, on a l'assurance? Wow! Alors attends. Donc là, on a péri. Donc on n'a pas le multiplicateur. Donc maintenant, c'est 5$. L'os était introuvable. Ah, attends, mesdames et messieurs, il clignotait vite. C'est vrai que pour un fantôme. En fait, je vous explique. Vous avez le clic droit où il y a l'encens. Mais là, mon clic ici, c'est pour jeter les objets. Et en fait, comme j'étais en train de matraquer le bouton screenshot pour toi, YouTube, hein,
Et ben je me suis trompé de bouton. C'est pas grave, on va recommencer. Est-ce que du coup on a réussi Ah non, on n'a pas réussi vu qu'on est mort. On est reparti, vous dites rien à YouTube. C'est pas grave. Moi ça me fait rire. Let's go baby. Elle est nouvelle, elle est sympa cette nouvelle animation de l'encens, t'as vu? Elle est incroyable. On est reparti baby. Bah l'os, on sait pas où il est puisque c'est pas marqué je crois dans le dans les stats. Quand tu as pink, tu vas bien. Alors putain, ouais, hey, il est très joli le camion hein. Oh, j'ai tellement hâte notre première game là. Si c'est marqué. Eh ben des bisous. Ah ouais, j'ai hâte de découvrir cette mise à jour de Noël YouTube. Oh, c'est trop beau. Oh, le petit lever de soleil. Oh, c'est stylé. Il y a un petit côté California. Oh, j'aime beaucoup. Oh, c'est très joli. J'ai hâte de voir ça sur d'autres maps. Très, très joli. Ok. Alors, attends, ils avaient dit, je crois, que la température démarrait plus haute quand il y avait le soleil, non? C'est la première run, ouais. C'est la première run. YouTube, hein, évidemment. Il fait combien dehors? Regarde, il fait 19, donc c'est ça? Donc, en fait... Attends. Ah, les cookies, ok, ont pas l'air de changer de place. C'est pas grave, on a quand même découvert des trucs. Notre première mort depuis la mise à jour, incroyable. Ok, je vais juste remettre le courant. Donc on a 14 degrés dans toute la baraque, t'as vu? Alors je sais pas si ça vient du fait que ça soit le soleil ou pas. On va dire que oui. Ok. Ok, ok, on va chercher le reste. Par contre ça lag. Oh, c'est incroyable à quel point ça lag. Bah l'écran noir, ouais, c'est les cookies du coup. Mais quand tu meurs, c'est pas validé, j'ai l'impression. Alors, les cookies. Il y avait un cookie ici. Il y avait pas de cookie ici, je crois. Il y avait un cookie... il y avait des cookies salon. On va voir s'ils changent de place. On va voir si on a l'os aussi. Et puis cette glaciale, là, elle me trigger un peu. On a le tarot. Ok. On va se taper The Hangman. Je sais pas pourquoi je le sens, on va se taper The Hangman. Alors. Tac. Normalement, il y a un cookie là. Ok, donc les cookies ne changent pas dans... Ah bah voilà un os. Ok, on va tenter la game parfaite cette fois-ci. Cookie là. Cookie là, ça fait combien de chat? Ça fait 3. 3. 4. Il y en a un à la cave. 5. Le 6ème, je sais plus où il est. Quelle idée de mettre ces cookies à la cave. Alors. Il y a un cookie ici. Ok. Je crois que j'en ai que 5. Ouais, il m'en manque un, me dites pas, il faut que je me souvienne. Cuisine, je l'ai pris. Il y a forcément une pièce que j'ai pas visible. Mais tu fous ma gueule, c'est pas possible. C'est pas possible. On dira rien. Eh bah écoute YouTube, on fera une game parfaite la prochaine fois. Le cookies. Putain, j'ai... Non mais j'ai complètement oublié où il était. Il est où chat? Vous pouvez me le dire. J'ai complètement oublié. L'intermédiaire plus dur que le cauchemar. Les cookies sont chauds, ils sortent du four. La machine à laver. Merci. Natou, tu dis pas mal de caca. Ok. Ok, ok. Alors. Il avait touché une porte. Je sais pas laquelle. Oh là là, je suis tellement dégoûté. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Ah non, mais regardez, même les photos ont changé. Hein. C'est beaucoup plus lumineux qu'avant. Hein. Incroyable. Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. C'est quoi, je vais aller ramener les cookies. Je me demande si ça déclenche une chasse. Ce serait assez stylé. En tout cas, ça m'a fait flipper la première fois, putain. Combien j'ai de cookies? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vas-y, ramène tes cookies. Et si on a un objectif? Donc c'est pas un spectre.
Ouais, les lumières, tout. Ah, c'est vrai que j'ai pas fait gaffe les lumières, comment elles clignotent pendant une chasse. Faudrait que je regarde. Alors, il a popé ici, donc je vais mettre les cookies sur la table. Ils ont l'air de bien aimer les cookies sur la table. Donc on va les mettre sur les tables. Il a bougé la tasse là-bas, non? Pas du tout. Donnez-nous un signe. On va pas faire le tarot quand même. Classique. Je pense pas que ce soit un mining non plus. Pas dans tout. Ok. Non. Ok, il a popé garage. Il a popé dans le garage. Je vais aller me chercher une petite lampe UV, voir s'il y a des empreintes. Non, mais c'est pas plus mal qu'on découvre pas tout de suite la game parfaite, chat, comme ça. What? Ok, comme ça, on restera plus tard. Que penses-tu du brouillard? Ah, le brouillard, c'est dangereux en voiture, c'est compliqué. Comment tu vas, Gaël? Tu vas bien? Ah, y a un petit problème électrique quand même. Hein. Alors. Y a pas l'air d'avoir d'empreinte. Ah, j'ai rien dit. Vite, 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 la photo, la photo. Bah, ah non, dans le garage. Ah mais on s'en fout des photos, de toute façon on peut pas faire la game parfaite. Si, ça m'intéresse quand même pour savoir le multiplicateur. Combien on fait d'argent avec les photos maintenant. Ok, la photo a été prise, on a l'empreinte juste là. Est-ce qu'on a d'autres empreintes? Là. Non, casier. Ah j'ai plus de photos. Bon bah comme ça c'est fait. On va chercher la spirit. Ça sert à rien de me demander ce que je pense de la mise à jour, je la découvre. Donc je vais pas vous dire ce que je pense, je suis en train de la découvrir. Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? J'ai peur. Bon, il m'a pas cru, je crois qu'il m'a pas cru, chat. Six. Ok, donc il est bien ici. Il est bien ici. Merci pour la lurk. Alors, je veux que tu découvres pas tout d'un coup, ouais. Ça fait clignoter, ok. Ah oui, les cookies, t'as raison, il faut que je déplace les cookies. Tu as tout à fait raison. Il faut qu'il bouffe les cookies. Il a l'air de prendre... Il a l'air de bouffer les cookies assez rapidement. Et chose importante qu'on a apprise sur la game d'avant, il bouffe les cookies même à l'extérieur de la baraque. Donc, en vrai, tu peux caler les cookies dans sa salle et aller attendre dehors. C'est pas forcément dérangeant. Et c'est peut-être ce qu'on va faire. Ou pas. Mais. Eh, je vais te... Bouffe-moi le cookie. Bouffe-moi le cookie. Tiens, je te la mets à côté des dots. Je te les mets à côté des dots. Voilà. Je fais pas le fou, hein. Alors. Est-ce qu'il va nous bouffer les cookies? Je sais pas s'il peut les manger dans la main. On va voir déjà s'il y a l'orbe. Ah, oh, j'aime trop ce nouvel effet VHS sur les... Ok, il a bouffé le cookie, mais il n'y a pas d'animation. Putain, par contre, ça me fait sursauter à chaque fois. Hein. Ok, donc là, normalement, il s'est transformé en Père Noël. C'est dommage parce que je voulais voir si ça déclenchait... Oh le salaud! Quel enculé! Pardon. Non mais monsieur, ça va pas, non? Oh quel bâtard! Et du coup il neige. Ok, donc la neige tout à l'heure elle y était pas.
Et ça... Ah, donc ça change complètement, tu vois, t'as plus le lever de soleil, maintenant il neige. Oh, c'est stylé. Il est pudique. Salaud. Ok, il a bien bouffé les coucouks. Ok. Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Quel âge avez-vous? Êtes-vous jeune? Êtes-vous vieux? Êtes-vous ambidextre? Quel âge avez-vous? J'ai peur. Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Ok, il n'y a pas l'air d'avoir de spirit. Pas l'air d'avoir d'orbe. Après, je me méfie parce que comme ils ont changé la lumière, je me dis ils ont peut-être changé. Il y a la glaciale? Ah mais non, merde, la glaciale, du coup, c'est à cause de... C'est à cause des cookies. Donc en fait, normalement, il n'y a pas d'orbe, pas de glacial, pas de spirit. Donc c'est un Goryeo. Donc normalement, c'est un Goryeo. Lever du soleil. Ils ont dit sunrise inox dans le patch note, donc c'est lever du soleil, lever du soleil. Donc normalement, c'est un Goryeo, il est censé avoir les dots. Si tout se passe bien. Vous regardez. Parce que la température, normalement, il nous la mise qu'après. Une fois qu'on a mis les cookies. Et la game d'avant, c'était déjà le cas. Bon, le problème, c'est qu'il fait pas grand-chose. On va retester le MF. On va mettre un capteur. Le Père Noël a froid, ouais. Ah, attends, Goryeo, normalement, il change pas de salle. C'est vrai qu'il a pas changé de salle. Après, on est en intermédiaire, donc c'est pas non plus ouf. On va mettre un capteur. Ah, on peut pas mettre de capteur sur la bagnole. On va le mettre là. Il a pas écrit dans le book. Ah, attends, le Goryeo, c'est quoi le Goryeo? C'est EMF dots. Là. EMF, tout de suite. EMF5. Pas du tout. On va sortir de la salle. On sait qu'il est dans la salle, donc on va regarder vite fait les dots. Oh putain. J'ai cru. EMF5, donc ça c'est fait. Alors je vais prendre en photo. Double photo, on regarde vite fait les dots. Allez, mets-nous les dots. Mets-nous un petit John Cena. Vous dites, hein, moi je lis le chat. Bonsoir, as-tu aussi remarqué un bug avec des orbes qui apparaissent sans raison? Bonsoir à toi, Dougie. Ah. Ah, il jette des trucs, hein. Il jette des trucs, mais il met pas de dots. Ce sera un mailing. Pourtant, je suis pas dans sa salle. Il devrait mettre les dots. Donc, c'est pas un Goryeo. Putain, l'intermédiaire qui est plus dur que le cauchemar, quoi. Truc de fou. Et il aurait dû mettre les dots là, hein, si c'était un Goryeo. Il est pas sorti de sa salle encore. T'en pensez quoi? S'il n'y a pas les dots, c'est Goryeo ou Jin? Je trouve ça bizarre quand même. Jean, c'est quoi? Écriture, température, mais la température, on l'avait pas. Tu sais quoi, on va faire une chasse, comme ça on va tester l'ensemble en même temps. Let's go, baby. À l'amateur, en fait, l'amateur, le problème, c'est que ça change tellement tes habitudes que ça en devient difficile. On va faire ça, comme ça on va tester le nouvel encens. En tout cas, l'animation pour jeter l'encens est toujours la même, hein. Sachez-le. Si tu veux pas nous mettre les dots, là, vite fait. Vite fait, on dira rien. Regardez pas le chat, il est timide. Non, je vais pas le jeter cette fois. Mais non, mais moi je suis excité de voir Père Noël. C'est la première fois de ma vie que je vois le Père Noël en face de moi. Je jette l'encens, je l'accueille dans mes bras. Je lui dis Papa Noël, tu te souviens de ce Noël de merde où tu m'avais offert un cadeau empoisonné, enculé? Pardon. J'étais trop excité. Aïja, merci beaucoup pour ton follow. Merci Lulu pour le 7e mois. Kiki Girl également. Bon, il n'y a pas de dots. Oh, il nous fait des belles montagnes en tout cas. Merci Anto pour le follow. Pour la glace. Aïe 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 aïe! Balance, balance direct. Non, non, tu supprimes pas là. Tu snipes. Tire en pleine tête là, direct. Tous ceux qui spoil là, vous méritez la mort. Bon, peut-être pas, mais vous méritez. J'en ai rien à foutre que ça soit un bug ou pas. Laissez-moi découvrir. Alors. Merci pour les follow, Kef et Samchat. Bon, il a pas l'air de mettre les dots. Bon, bah, c'est un jean, hein. Peut-être que la glaciale. Peut-être que la glaciale y était, mais que je l'ai pas vue. On va voir. On va faire la chasse. On va utiliser le tarot.
On va voir tout de suite si c'est un djinn, de toute façon. Comment ça va? Vous allez bien? Salut Salinia. Alors, tout de suite, mesdames et messieurs, The Hangman. Oh! Attendez, attendez, laissez-moi boire un coup là. Oh putain, j'ai vu ma vie défiler devant moi. Toutes les pétées que j'ai mis à vos mamans. Ah ouais. Oh. Incroyable. Je n'ai jamais douté, bien évidemment. Oh. Alors. Ah non, moins 25. Oh non, me troll pas. Oh là là, je me fais tellement troller en boucle par le tarot là. Ça va être la pire vidéo d'update de ma chaîne YouTube et de l'histoire de Phasmophobia, je pense. YouTube, si cette vidéo est longue, sache que c'est de la faute du jeu. En une game, on a failli tout plier. Il a fallu qu'on croise le Père Noël. Tout de suite, The Moon. The Hermit. Def. Wheel of Fortune. On se casse. Je suis à 100%. On se casse. Et je peux pas tester le djinn du coup. J'en ai ras le cul. Ouais, mais attends, on sait même pas si c'est un Goryeo ou un djinn. Parce qu'il veut pas nous mettre les dots. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Il veut pas mettre les dots. Est-ce qu'il est toujours ici? Il est pas là. Ok, donc c'est pas un Goryeo en fait. Il est cuisine maintenant. Non? Attends, mais c'est quoi ce délire? Il marche plus le thermomètre? Allô? Ok, j'ai 15. 13. Si, il est là. Ok, c'est juste le thermomètre qui a bugué. Ok, je vais regarder les dots une dernière fois. On va les regarder. Attends. Putain, tu m'as fait peur, enfoiré. Je regarde quand même qu'il n'y a pas d'orbe. Non, non, il n'y a pas d'orbe. Mais... Vas-y, vas-y, vas-y. Je pose la caméra. Il y a forcément... On va voir au camion, on se casse. Le tarot a off le courant. Pas du tout. Je crois pas, hein. Pas du tout, pas du tout. Allez, je te donne 30 secondes pour nous faire des dots. Et sinon, on se barre. On se barre et puis on se trompe de fantôme. Putain, le pire lancement d'update de tous les temps, mesdames et messieurs. Installez-vous. Bienvenue sur le pire stream Phasmophobia. Mais c'est ce qui en fait le meilleur en même temps. Il a coupé le courant. T'as raison. Il a coupé le courant. Mais pourquoi il nous met pas les dots alors, le Goryeo? Il a pas changé de salle durant tout le truc. Donc, le Goryeo, son nouveau pouvoir, c'est qu'il change pas de salle. Ok? Mais, pourquoi il nous met pas les dots alors? Ou pourquoi il nous met pas l'écriture si c'est un mailing? C'est ça que je comprends pas. Comme cette lumière qui clignote. Comme un signal qu'il y a un danger. Honnêtement, moi je pense que je vais partir, je vais mettre Goryeo. On va attendre 30 secondes au camion et puis on va enchaîner avec une troisième partie sur la Tanglewood. Et cette fois, on va faire une game parfaite. Voilà, et peut-être qu'on arrivera enfin à montrer ce qu'on veut montrer à YouTube. Allez, allez, donne tout. Allez, c'est parti, 30 secondes. Comment tu vas, le vieux cabot? Tu vas bien? Oh, il écrit! Merci à tous, je n'ai jamais douté. Bon bah voilà, il écrit. Putain, il a écrit directement dans le deuxième bouquin. Le premier bouquin, il en a eu rien à foutre. Rien à foutre. On est parti, mesdames et messieurs. Alors, intéressant, on va... Bah tu sais quoi, je vais tester la nouvelle... Je vais tester le nouvel encens. Même sans chasse, histoire de voir à quoi ça ressemble de cramer l'encens.
C'est le plaisir. C'est le plaisir. Donc c'est un myling. Attendez. Alors fais voir ce cramage d'encens un peu. Oh, c'est sympa. En fait, ça n'a rien changé. Ils ont juste, ils ont rajouté du rouge. Par contre, ça l'a énervé direct. Ils ont rajouté du rouge. Ok, c'est sympa. Je m'attendais à ce qu'ils aient retravaillé la couleur de la... Comment t'appelles ça? C'est quoi? Attends, c'est quoi les objectifs? Échapper une chasse, non merci. Ouais, c'est beau. C'est HD, c'est la version HD. Mesdames et messieurs, c'est un myling. On va donc pouvoir voir enfin le multiplicateur, comment ça fonctionne quand tu trouves le bon fantôme. On a eu 5 dollars sur les objectifs précédents. Est-ce qu'on va avoir 10 dollars cette fois? Encore 5 dollars? Ah, investigation bonus, juste là. Donc normalement, c'est x2. Ah ok, ça, c'est pas un multiplicateur chat, ça fait 10 plus 5 plus 5, 20, et donc 20, donc ça rajoute 20 dollars. Attends, j'ai pas compris comment ça marche. Pourquoi j'ai un bonus de 20? Il faudrait voir en faisant, on va faire une game parfaite juste derrière. Ok, écoute c'est pas mal 20 dollars, j'ai pas regardé en XP, je sais pas si on a convu combien ça rajoutait d'XP. Attends, par contre, non, faut pas déconner. Voilà, il faut arrêter la musique. Écoute YouTube, c'est pas les, plutôt les objectifs secondaires x2. Ah mais si, t'as raison. x2, donc ça fait 10. 10. 10. Donc 5, 5, ça fait 10 x 2, 20. Ça veut dire que ça fait 20. Non, 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 ils ont dit que c'était tous les objectifs x2. Donc ça fait, donc c'est ça. Donc c'est les 20 dollars de l'objectif plus les 20 dollars du machin. Donc c'est ça, donc ça fait 40. Bon bah écoutez YouTube, j'espère que t'as kiffé cette petite découverte un peu désastreuse. En tout cas il y a des trucs sympathiques. Qu'est-ce qu'on a découvert chat? On a découvert que l'os lors de ta première game est évidemment introuvable. On a testé du coup l'investigation bonus sans game parfaite, juste en trouvant le fantôme, donc qui te donne en gros bah qui double tes objectifs 1, 2, 3 et 4. Ça double pas l'os hein. Ça n'a pas l'air de doubler l'os. On a vu que le fantôme se transforme en Père Noël avec les cookies. Et donc normalement, regardez, voilà, j'ai une petite validation sur la Tanglewood. Je sais pas, YouTube, tu me diras ce que t'en penses qu'ils mettent ça en intermédiaire. Je trouve qu'en intermédiaire, ils auraient dû mettre ça en pro. Je sais pas, je pense qu'ils veulent que le trophée soit disponible pour tout le monde. Mais bon, même le pro, bah bref, c'est pas très compliqué. Prends soin de toi, YouTube. N'hésite pas évidemment à partager, commenter. Likez, j'aime beaucoup le, la neige, je trouve qu'elle est vachement bien faite, le lever de soleil, juste ça lague un peu, les ombres et les lumières sont un peu bizarres, il y aura sûrement un fixe qui va pas tarder, n'hésite pas aussi à nous rejoindre sur Twitch, t'as le lien dans la description, le chat t'embrasse, je t'embrasse, des bisous YouTube!